Diable prévoit pour cette ville, tu vas paralyser dans la prière. Est-ce qu'on peut prier? Parle à Dieu, priant au nom de Jésus. Père, toute attaque contre l'église de Litouri et nous laissons effet. Toute attaque contre l'église de Bounia et nous laissons effet. Nous paralysons les forces, nous paralysons l'esprit des ténèbres, les esprits des ténèbres. Au nom de Jésus, aucune principauté, aucune autorité, aucune domination ne va s'élever au-dessus de l'église. Au nom de Jésus, Père, que ton esprit balaye le ciel de Bounia, le ciel de Litouri. Au nom de Jésus, nous proclamons le réveil, nous proclamons le réveil, nous proclamons le réveil, nous proclamons le réveil. Au nom de Jésus, Chateria Sakamaya, Ziperiketani Chane, levez les mains. Père, au nom de Jésus, soyez spirituel en ces cultes. Zipari Kato Chite, Laraka Siprade Keteliman, Le Kentelivaro Chane Anos, La Kerima Koria Chote Limeneva. Lova capo shande capari deva zunde keri maora kesi le keru kasupra di amanos le pekete le brakoria sukete ima shande kete. Plus de grâce ce soir, plus d'onction, plus de compréhension, plus de puissance, plus de connaissance au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Honore Dieu par tes acclamations. Oh, je disais, tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. Je pensais que tu comprenais. Les murailles de Jéricho est tombée par les acclamations. Pendant que tu acclames, le problème de ta vie est brisé. Pendant que tu acclames, les forces des ténèbres sont vaincues. S'il y avait une limitation, je prie au nom de Jésus, qui est au nom de Jésus la victoire. Tu vas vaincre les forces de ta famille. Tu vas vaincre la résistance de cette ville. Aucun esprit ne tiendra devant toi. Au nom de Jésus, pousse maintenant les cris de joie. Pousse les cris de joie. Jesus mighty name. Hallelujah. On va rester debout. Aujourd'hui, on va écouter la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va se battre à finir dans les temps. Mais je vous demande de ne pas être pressé. Alléluia. On va changer la culture et la mentalité des Bounia, où les gens ne sont pas patients en ce qui concerne la parole de Dieu. Soyons patients. Après les cultes, on va directement partir parce que
La majorité des communiqués sont déjà donnés. Après, on va seulement prier et on clôture la prière. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir notre orateur? Qui était là hier? Qui était béni? Pendant que je reçois encore aujourd'hui mon papa, le pasteur Lévi, l'apôtre Lévi, pendant qu'il passe, on va célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame. Fais le mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Que toi n'existe pas, non, non, plus haut que toi, Seigneur, n'existe pas, plus haut que toi, Seigneur, n'existe pas, plus haut que toi. Nous élevons nos voix, nous le crions de tout notre être. Où sont les héros qui acclament, qui poussent des cris de joie? Où se trouve le roi? Où se trouvent les rois qui reconnaissent? Dans cette assemblée des serviteurs, des sacrificateurs et des rois. Plus haut, plus haut, plus haut. N'existe pas, n'existe pas. Acclame le Seigneur.
acclame le Seigneur. No one else. No one else. No one else. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Salue ton voisin. Dis-lui, il est au-dessus de tout. Alléluia, somebody. Can I have a big amen? La technique, le micro du bas, ça va? Ça va, le micro du bas, là? All right, good. Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous sommes en notre deuxième jour. Celui qui était là hier, vraiment, est en train de nous encourager à venir encore. En tout cas, je commence à reconnaître certains. Bientôt, je vais te demander quel est ton prénom. Parce que je commence à te reconnaître. Tu t'assois toujours du même endroit. C'est bien, c'est bien. Ça permet qu'on te localise. Peut-être en priant cette nuit, Dieu me dira, tu te rappelles de la personne qui est assise à tel endroit. Fais de cette place ta place pendant toute cette semaine. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu pour notre deuxième message. Nous allons aller comme ça jusqu'au vendredi et le samedi. On va faire un service très très spécial d'intronisation et de positionnement dans la nation. Amen, hein? Oh, amen. Mes amis, c'est Dieu qui établit les rois. C'est ici, le samedi, qu'on va établir des rois. Et après, quand vous sortez, vous ne comprenez pas pourquoi c'est vous qu'on choisit et c'est vous qu'on place plus haut. Donne un bon amen. Allez, acclame le Seigneur. On va commencer à écouter la parole. Alléluia. Ce soir, nous parlerons d'expérimenter sa présence par son atmosphère. Expérimenter sa présence par son atmosphère. Même s'il y a un mot que je dis qui n'est pas, qui est compliqué à comprendre, ne t'en fais pas. Dans quelques secondes, tu auras les explications claires et tu comprendras. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais dire un peu mon plus grand souci, ces choses qui ont emmené mon âme à chercher Dieu autrement. Regardez par exemple, comment ça se fait que la première manifestation du Saint-Esprit à l'arrivée de Jésus sur terre, quand Jésus est venu sur terre, la Bible dit que le ciel avait bougé et une voix se fit entendre en disant « Celui-ci est mon fils ». Et la colombe est venue se poser sur lui, l'Esprit de Dieu est venu se poser sur lui de manière visible. Alors comment ça se fait que la première fois que le Saint-Esprit vienne, quand Jésus est arrivé sur terre, comment ça se fait que cette première fois était réalisable, visible, les gens pouvaient dire on a vu le signe, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui quand il vient dans nos cultes, on ignore? Comment quelqu'un qui était venu avec preuve, aujourd'hui en 2024, quand il vient, on ne réalise rien? Une autre question qui m'a beaucoup dérangé. Comment se fait-il que l'appellation elle-même, Esprit, Saint-Esprit, qui veut dire vent, mouvement, vent en direction, comment ça se fait que lui-même, son nom, veut dire vent? Et que le vent est en mouvement. Mais comment ça se fait que quand il vient dans nos églises, on ne réalise pas le mouvement? Une autre chose qui m'a beaucoup dérangé. Comment se fait-il que le Saint-Esprit soit venu au milieu des apôtres avec une manifestation tangible? Tangible veut dire que l'on peut voir, démontrer ou toucher. Mais aujourd'hui, quand il vient dans nos cultes, nous n'avons pas nécessairement des démonstrations tangibles. Dis avec moi, tangibles. Quand par exemple, quelque chose est tangible, c'est quelque chose que tout le monde peut attester que vraiment c'était ça. Une masse qui disparaît, c'est tangible. Amen. Un corps guéri, c'est tangible. Mais comment ça se fait que le Saint-Esprit, malgré qu'il est comme ça, dans nos cultes, on n'a pas cette présence
tangible. Suivez-moi attentivement. Que veut dire expérimenter sa présence? Hier, j'ai expliqué. Je vais donner une autre explication pour ce soir. Expérimenter la présence du Saint-Esprit, c'est jouir de son action perceptible sur nous. Expérimenter la présence du Saint-Esprit, c'est jouir de son action, comment? Perceptible. Le perceptible veut dire que l'on peut percevoir, que l'on peut réaliser, que l'on peut, on peut démontrer ou encore expliquer. Dire que oui, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Ok? C'est ça, expérimenter la présence du Saint-Esprit, c'est jouir d'une action perceptible. Mais pourquoi de nos jours, nous expérimentons très peu la présence du Saint-Esprit? Et des fois, quand on expérimente la présence du Saint-Esprit, il faut des belles chansons, il faut un bon son, il faut tout ça pour que nous puissions sentir que, il était là. Alléluia, somebody. Je disais souvent au pasteur de l'église, je disais, mes amis, lorsque vous servez Dieu et que vous avez besoin d'un clavier, en disant que même tel prophète avait besoin de ça, j'ai dit, ce prophète-là n'avait pas encore Jésus mort à la croix pour lui. Moi, j'ai Jésus qui a payé le prix du clavériste afin que avec ou sans lui, il agira. Alléluia. Et donc, pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Dieu, c'est trop d'explications, c'est trop de verbes, c'est trop de gros mots, en grec et en hébreu. Amen. Moi, j'aime aussi les grecs et les hébreux, mais sauf que grec, hébreu, des fois, nazobela papa, je suis malade. Grec, hébreu. Je dois être guéri. Amen. Mais pourquoi de nos jours, alléluia, nous expérimentons très peu la présence du Saint-Esprit? Un jour, j'étais très fatigué. Vraiment très fatigué. Et je disais, je ne peux pas recevoir, je suis très fatigué. Quand on dit ça ici à l'église, le pasteur ne peut pas recevoir, c'est un problème. Mais une femme un jour a dit, où est la voiture du pasteur? Elle est allée se jeter sur la voiture. Quand elle est allée sur la voiture se jeter, la puissance de Dieu l'a retenue, elle s'est mise à trembler sur le véhicule. Le Saint-Esprit n'est pas emprisonné dans mon corps. Alléluia. Quelqu'un me suit attentivement? Le simple fait qu'il soit descendu sur l'église Compassion Bounia. Tous les véhicules qui sont dehors là, vos problèmes de panne, vos problèmes de... ça tombe toujours en panne. C'est arrêté au nom de Jésus. Tu vois, dis à ton voisin, ton amen prouve que... tu n'y crois pas. Alléluia, somebody. Tu vois, mon ami, comment ça se fait que tu serves un Dieu qui a fait tout ça, mais quand il doit agir, il fait des choses toutes petites comme ça que même ton oncle peut faire. Du genre, j'ai un oncle qui est dans cette société, il va me prendre au travail. Non, quand il y a un oncle, il ne faut plus prier, il faut simplement aller, on va te donner le travail. Nous, on prie parce qu'on n'a ni oncle, ni tante, ni sœur, ni frère, ni ceci. Mais Dieu va nous positionner au nom de... Alors, pourquoi de nos jours, nous expérimentons très peu la présence du Saint-Esprit? Eh bien, c'est parce que nous mettons plus l'accent sur le besoin de son œuvre que le discernement de sa présence. Nous mettons plus l'accent sur quoi? Le besoin de son œuvre que le discernement de sa présence. C'est-à-dire que quand on est à l'église, on veut que Dieu nous guérisse. C'est ça, le besoin de son œuvre. Mais on n'est pas plutôt concentré à chercher à discerner sa présence. Or,
où l'esprit n'est pas, l'œuvre ne peut pas être. Amen. Nous, nous disons que Dieu me guérisse, que Dieu me bénisse, c'est le besoin de son œuvre. Et tant que vous allez avoir cette façon de faire quand vous venez à l'église, vous n'allez pas expérimenter sa présence. Pour expérimenter sa présence, il faut non pas reconnaître le besoin que vous avez de l'œuvre qui doit opérer, mais vous devez reconnaître ou discerner sa présence. Dis avec moi, amen. Retenez ceci. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Mais c'est une personne divine ayant une puissance. Ce n'est pas une puissance. C'est une personne divine. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une personne divine dans cette divinité. Mais il détient la puissance. Lorsque l'on parle du Saint-Esprit dans la divinité, c'est-à-dire quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, entre ces trois personnes en Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui est le porteur de la puissance. C'est pourquoi Jésus n'a pas donné aux apôtres la puissance. Il a dû partir et leur dire, je vous enverrai. Amen. Et il dit ceci, dans peu de jours, vous serez revêtus de la puissance. Quand surviendra le Saint-Esprit. Donc le porteur de la puissance de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, moi j'aime beaucoup adorer. Je chante Jésus, je chante. Tu peux chanter comme ça 1000 fois. Tant que tu n'auras pas connu le porteur de la puissance, tu ne seras pas puissant. Un homme dans ton travail va mettre un petit truc là, tu marches dessus, Balongolio Moussa, là, on t'enlève du travail. Pourquoi? Tu n'es pas puissant. Amen. Qui dit avec moi, amen? Un jour, un des fils avait un chef qui avait un tapis bizarre devant son bureau. Et quand tu passes sur le tapis, là, le chef te domine. Il est venu me l'expliquer, je lui ai dit, mon ami, maintenant repars. Toi aussi, maintenant repars. Quand il est reparti, dès qu'il a écrasé le tapis du patron, le patron a baissé la tête jusqu'à ce qu'il soit sorti de son bureau. Alléluia, somebody. On va y arriver. Son action, l'action du Saint-Esprit, ne dépend pas de sa puissance, mais de sa personne. Lorsque le Saint-Esprit agit, ça ne dépend pas de sa puissance, mais ça dépend de sa personne. Je vais t'expliquer. Alléluia. L'action du Saint-Esprit ne dépend pas de sa puissance, mais elle dépend de quoi? Sa personne. Regardez. Ouvre avec moi Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Alléluia, somebody. Alléluia. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je vais lire ça dans la version français courant. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Dans votre version, c'est écrit comment? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, on attriste une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit, sinon il y aura un problème. Le jour de votre rédemption ou de votre délivrance. Autrement dit, si sa personne est triste, son œuvre échouera. Quand on parle du Saint-Esprit, Jésus dit, vous savez comment, la Bible dit, vous savez comment Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Dans le Saint-Esprit, Dieu le chérit. Insulte Dieu, tu vivras. Insulte Jésus, tu vivras. Insulte le Saint-Esprit, tu ne vivras pas. Autrement dit, le chouchou du Père, le chouchou du Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen. La création a commencé avec l'œuvre du Père. Père qui a créé toutes choses. Après, le salut est venu par l'œuvre du Fils, Jésus. Et aujourd'hui, l'Église se prépare à l'enlèvement et à la rencontre de l'épouse par l'aide du Saint-Esprit. Tant qu'une Église n'a pas placé le Saint-Esprit à sa place, le peuple ne pourra jamais vivre les actions de Dieu. Amen. Tu peux bouder, le parler en langue, mais avant la fin de cette semaine, tu te retrouveras en train de parler en langue. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que sa personne définira ses actions. Tant qu'il est là, et toi, et toute ta compréhension, vous allez être secoués. Très secoués. Alléluia. Dis avec moi, amen. Alors, dans la nature du Saint-Esprit, il veut tout d'abord être reconnu pour agir. Si vous ne reconnaissez pas sa présence, sa personne, son action ne sera pas là. C'est pourquoi vous voyez, c'est toujours « Kemona Yahweh, Kemona Yahweh, Yemon Kokisi, Amen, Siko Tozo Senga, Amen, Siko Tozo Senga. » Ces cultes-là ne voient jamais la main de Dieu. Parce qu'ils sont focalisés sur le rituel au lieu de rechercher une personne. Is it clear? Alléluia. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'approche de nous, le Saint-Esprit, il vient avec un élément qui fait la distinction. C'est son atmosphère. Dis avec moi, amen. Oh. Mon gardien, il est où? Il n'est pas là? Le monsieur qui était monté sur l'estrade. Il est où? Viens. Toi, tu es déjà habitué. Je suis en train de travailler pour que tu... ça passe. Allez, on acclame Dieu pendant qu'il vient. Dites avec moi atmosphère une fois, atmosphère deux fois, atmosphère trois fois. Quand le Saint-Esprit vient, il vient dans le but d'être reconnu. Il veut qu'on reconnaisse qu'il est là. Quand on reconnaît qu'il est là, c'est alors qu'il agit. Dites avec moi, amen. On n'a pas besoin de lui donner des mots. Saint-Esprit, aujourd'hui, Saint-Esprit, ah, Saint-Esprit, que tu le dises ou pas, quand il est là, il va faire, il est là. Alléluia. Qui d'entre nous hier a demandé au Saint-Esprit de faire ce qu'il a fait? Personne. Tout ce que nous on savait, c'est qu'on avait trop parlé. Il fallait que lui-même explique. Alléluia. Il est Dieu. Il a sa propre volonté. Amen. Alors, un être humain, chaque être humain détient, je vais descendre, chaque être humain, je vais le redire encore après, chaque être humain détient ce qu'on appelle une atmosphère. Le Saint-Esprit, quand il vient en tant que personne, quand il vient, son but, c'est d'abord qu'on reconnaisse qu'il est là. Quand on reconnaît qu'il est là, c'est alors que ses actions vont agir. Et nous les humains, même nous, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes aussi comme ça. Nous aussi, quand on est présent quelque part, notre présence se reconnaît par notre atmosphère. Je vais expliquer. Alléluia. Va te mettre devant la dame en rouge là. Maman, est-ce qu'il est devant toi, oui ou non? Oui. Reviens, fils. Alléluia. Papa, Tassien, mettez-vous devant la dame. Là. Est-ce qu'il est devant vous, oui ou non? Pourquoi vous souriez? Est-ce que quelqu'un capte ce que je veux dire? Donc, chaque présence détient une quantité de quoi? Voilà. Voilà. Vous avez compris, je remonte pour moi. Merci, mon ami.
Alléluia, somebody. So, quand la présence du Saint-Esprit vient, elle vient avec une atmosphère. Dites avec moi, atmosphère. Moi, j'aime dire ça doucement. Atmosphère. Lisons Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit, vous y êtes ? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à faire quoi ? À parler en d'autres langues. Quand vous regardez ce texte du chapitre 2, du verset 1er au verset 4, tout le verset 1, 2, 3 ne parle pas de ce que les apôtres ont fait, mais parle de ce que le Saint-Esprit faisait. Et avant même qu'ils puissent faire, la dernière chose qu'ils devaient vraiment faire, c'était leur donner de parler en langue. Alors, l'œuvre qu'eux, ils ont sentie, c'était de parler en... Ils ont parlé en langue. Mais avant que la puissance les touche et qu'ils parlent en langue, il y a eu un ensemble de choses qui se sont faites. Écoute, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le mot atmosphère veut dire en hébreu vent. Veut dire en hébreu veut dire en hébreu climat. Quand vous êtes dans un culte, à un moment, c'est comme si le climat change. On était déjà à l'église là, mais à une minute précise, c'est comme si le climat change. C'est ça qu'on appelle atmosphère. Vous me suivez attentivement? Alors, le vent impétueux, il remplit toute la salle. Des langues semblables à des langues de feu. Donc, ils ont senti comme du feu sur la tête. Le feu fait partie du climat, la chaleur. L'atmosphère accompagne la présence du Saint-Esprit. Donc, l'atmosphère est arrivée et après, il les a baptisés. Il leur a donné de parler en langue. Quelqu'un me suit attentivement. Alors, retenez donc que si on s'intéresse à l'atmosphère, on arrivera à reconnaître la présence du Saint-Esprit. Et c'est alors que nous allons bénéficier de ses actions. Quelqu'un me suit? Continuons. Pourquoi il faut faire une différence entre la présence de Dieu ou la présence du Saint-Esprit et l'atmosphère de sa présence? Alléluia, somebody. Pourquoi il faut faire une différence entre la présence du Saint-Esprit et l'atmosphère de sa présence? Dis avec moi, Amen. Voilà. La présence de quelqu'un n'implique pas ses actions. Tu peux être là sans rien faire. Mais quand on te sent, c'est que tu es déjà en mouvement d'action. Quand vous êtes là, la présence, votre présence ne veut pas dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Être là ne veut pas dire agir. Mais quand on commence à sentir l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est toujours parce qu'il est sur le point de faire quoi ? D'agir. Amen. Ton voisin est assis, il ne te dérange pas. Mais s'il se lève d'un bond, tu vas te retourner pour le regarder. Parce que tu sous-entends qu'il est sur le point de faire quelque chose. Ce qui donc doit être la chose que vous cherchez quand vous êtes en prière ou à l'église, vous devez rechercher, pas que la présence soit invisible, mais il faut que l'atmosphère accompagne sa présence. Alléluia.
Mes amis, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Non. Dieu est là, Dieu est là. Quand il est là, il est comment? Il est là. Alléluia. On doit le réaliser. On doit percevoir ça. Dis avec moi, amen. Alors, je continue parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour poser les bases. On va continuer tout ça demain. Dis avec moi, amen. S'il y a une chose que l'être humain reconnaît très bien, c'est l'atmosphère de Dieu. Dites avec moi, comment ça? Chaque être humain, amen, quand quelqu'un de mauvais vient devant lui, il dit toujours, « Na santa kelo komabe. » Comment au santa ki? Na zolo? Par les oreilles? Tu as vu ça? L'être humain a la capacité de percevoir les atmosphères. Quelqu'un me suit? Ta copine là, je ne la sens pas. Ça vous arrive, non? Comment vous savez ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Ouvre ta Bible, dis avec moi, ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 2, versets 6 à 7. La Bible dit. Genèse 2, 6 à 7. Lorsque Dieu vous créait et me créait, la Bible dit qu'il y avait un événement. Regardez l'événement. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une quoi? Vapeur. Une quoi? Vapeur. Le mot la vapeur là, c'est le même mot qui dit un vent, un petit souffle s'éleva de la terre. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Que ça veut dire quoi? Atmosphère. Donc une atmosphère se leva de la terre et fit quoi? Arrosa toute la surface du sol. Et maintenant le verset 7, après que l'atmosphère couvre et arrose, au verset 7, lis à haute voix si tu as le courage. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il fit quoi? Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint quoi? Tu vois là, tel que tu es là. Avant que Dieu ne prenne la poussière de la terre, il l'a arrosé de l'atmosphère. C'est pourquoi chaque humain, païen comme chrétien, on a la capacité de percevoir les atmosphères. Quelqu'un me suit? Et Dieu ne t'a pas rendu vivant en disant « sois vivant », mais la chose que tu, tous les jours, c'est atmosphère. Alléluia. Et pourtant la Bible nous dit qu'il nous a créés par sa parole. Mais pourquoi il n'a pas dit « vivez » Parce que la parole, c'est le souffle ayant un son. C'est atmosphère, atmosphère ayant un vocabulaire, c'est ça, parole. Attends, je t'explique. Tu te rappelles de ce jeune garçon? Il n'est pas très beau, mais il t'a dit « je n'ai rencontré des femmes ». Mais toi, quand il a seulement dit « mais toi », il a créé autour de toi une atmosphère. Il ne parle pas comme, il n'a pas beaucoup étudié, mais il peut déclencher une atmosphère. C'est dans notre nature. Dis à ton voisin, je commence à comprendre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors on va clôturer maintenant par la grande question. Pourquoi savoir discerner l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit? Pourquoi il faut discerner ou pourquoi savoir discerner l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit? Premièrement, parce que si vous ne savez pas discerner l'atmosphère de sa présence, vous n'adopterez pas une attitude qui honore sa présence. Si vous ne savez pas discerner l'atmosphère de sa présence, vous n'adopterez pas une attitude qui
honore sa présence. Je reprends dans une autre façon de dire, si vous ne discernez pas l'atmosphère de sa présence, vous n'allez pas pouvoir avoir une attitude qui sait reconnaître et honorer sa présence. Dis avec moi, amen. Dieu est là. Quand on dit Dieu est là, quand on commence à reconnaître sa présence, ça change automatiquement votre attitude. Vous pouvez être en train de pleurer. Et dès qu'il arrive, vous commencez à rire. Si vous ne discernez pas l'atmosphère de sa présence, vous n'allez pas être capable d'avoir un comportement qui prouve que vous savez qu'il est là. Tu sais, quand on te fait la cour, ou quand tu es devant un péché, la chose qui fait que tu arrives à pécher, c'est l'ignorance de la présence de Dieu. Quand tu es conscient de sa présence et que son atmosphère se dégage sur toi, même s'il est beau, celui qui est avec moi est plus beau. Même si ce que tu dis est intéressant, ce que lui me dit est plus intéressant. Son atmosphère est tellement réelle que la tentation elle-même n'arrive pas à prendre position. C'est le manque du discernement de qui est avec moi qui fait que j'arrive à reconnaître le diable qui est avec moi. Toute chute de l'homme est conscience de la présence de Satan. Quand quelqu'un tombe, c'est parce que il dit, ah, la tentation a été trop forte. Tu as reconnu la tentation au lieu de reconnaître le Seigneur. Dites avec moi, amen. Quand ta femme est avec toi et que tu es un homme païen, quand tu veux regarder au rétroviseur, tu es bloqué comme ça. Parce que la présence de ta femme indique un comportement physique. Tu ne peux pas faire ça aisément. Parce qu'elle ne va pas te taper, mais sa présence a une atmosphère de discipline. Et quand on vit dans l'atmosphère, tu n'es pas en train de forcer de ne pas suivre le mal. Mais c'est l'atmosphère qui te retient. Le discernement de l'atmosphère permet à quelqu'un donc d'avoir une vie qui honore Dieu. Tu ne voles pas seulement parce qu'il y a des démons. Tu voles parce que tu ignores que le Seigneur est avec toi. Quelqu'un me suit? Oh ma petite, tu es très jolie. Tu as déjà entendu ça. L'Esprit de Dieu te dit qu'il t'aime. Sa présence, mes amis, c'est comme je vous l'avais dit, il faut nuancer présence et atmosphère de sa présence. Quand vous êtes arrivé à sentir, à percevoir en vous l'atmosphère, la présence de Dieu qui se fait ressentir, mon ami, vous ne pourrez pas vivre comme tout le monde. La Bible dit dans Jean 21, verset 7, que Pierre a vu Jésus. Quand ils l'ont reconnu, Pierre, qui avait le vêtement enlevé, se jeta dans l'eau. Après avoir mis le vêtement, il se jette dans l'eau parce que pour pécher, en Israël, il fallait enlever la tunique. Alors, quand il a vu que c'était Jésus, il l'a reconnu. Le fait seulement de reconnaître le Seigneur qui était au loin, l'atmosphère de la présence du Seigneur Jésus a fait que il s'est dit, je ne peux pas être habillé comme ça. Mes amis, c'est pas parce que tu aimes les petites jupes. Non, c'est parce qu'il te manque l'atmosphère de sa sainteté. Quand ça te couvre, ça choisit les vêtements pour toi. Ce n'est pas, oh, la mode, je suis jeune. Tu as menti, j'ai connu Jésus à l'âge de 11 ans. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul pétard d'impudicité commis.
Parce que l'atmosphère m'a connu trop tôt. Donc du coup, même quand j'ai la volonté, ça me connaît déjà. Ça t'embrasse de manière à ce que tu es obligé de suivre le mouvement. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais je n'ai pas la force. Alors, toi qui te fais appeler chrétien et chrétienne depuis longtemps, est-ce que tu sens ce qu'on appelle chrétien? C'est ce que je te dis là, c'est ça chrétien. Toute autre chose là, ça s'appelle religion. Amen. Et je te supplie de sortir de là ce soir. Je veux cette atmosphère, dis ça avec moi. Alléluia. Tu vois, lorsque tu parles avec ta femme, des fois, tu dis, oh yeba, alléluia. Tu sais, ce qui fait que, et toi et elle, vous arrivez à des niveaux comme ça, c'est que vous deux, vous ignorez qu'il y a un troisième avec vous. Si seulement l'atmosphère se dégage dans votre salon, tu diras à ta femme, chérie, il faut qu'on en parle. Non, assieds-toi. Non, mais toi aussi, oh, mon bébé, je sais que tu as tort. Mais tu es d'abord celle que j'aime. Tu tamises ça parce que tu n'arrives pas à sortir autre chose que ça, tellement ça te couvre. Amen. Nous aussi, on est mariés depuis 19 ans. L'année prochaine, dans quelques mois, je ferai 20 ans de mariage. Dans ces 20 ans de mariage, j'avais un objectif, combattre la femme de nuit. Vous savez, c'est quoi? Quand j'étais païen, je rêvais les femmes de nuit, ce qu'on appelle femmes de nuit communément, les songes érotiques. Et je me disais, mais pourquoi le songe érotique est si intense que la réalité? Alors j'avais dit, j'entrerai dans une dimension où je dois vivre plus intense que tout parce que je suis dans la sanctification. Pourquoi c'est toujours... Vous n'avez pas idée à quel niveau la présence du Saint-Esprit va affecter votre comportement. À un tel niveau que même dans votre comportement avec les enfants, ça va changer. Tout ce que vous appelez Saint-Esprit qui ne vous fait parler en langue ici, qui vous fait chanter ici, qui vous fait ici, mais dehors vous êtes autre. Vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est une personne. Quand on la rencontre, cette personne, je te dis que tu vas réaliser que quelque chose est mort en moi. Il est tellement absorbant que sa présence est tellement intéressante qu'elle te tire en lui. Et tu essayes de mettre le pied par terre pour retoucher le mal, tu n'y arrives plus. Tellement il t'a absorbé. Mais quand c'est des efforts que tu fais, tu n'as pas encore rencontré sa personne. Je ne veux pas le Saint-Esprit des efforts. Je ne veux pas le Saint-Esprit qui complique les choses. Je veux la personne du Saint-Esprit. Je ne veux pas, papa, mon balinanga, mon mari, il y a une femme qui a incanté, elle est allée au fétiche et puis elle a pris mon mari. Ma fille, tu es remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Quand je dis ça, il y en a qui se disent, il y a quand même des hommes compliqués. Non, il n'y a pas des hommes compliqués, il n'y a qu'un démon à chasser. Quelqu'un me suit? Tu n'y crois pas, hein? Mais je sais, c'est pas grave. Laisse-moi te raconter les histoires que je raconte souvent. Ça fait partie des choses qui m'ont impressionné que le Saint-Esprit a faites. Une femme arrive. Mon mari a quitté la maison. Il m'a abandonné. Ah bon? Depuis combien de jours? Depuis autant de jours. Vous avez son numéro dans le téléphone? Oui. Non, c'est pas ce que je dis. Ah oui, je l'ai dit.
Il vous a appelé? Non. Depuis longtemps? Oui. Comment il s'appelle? Tu sais, Luco. Tu sais, Julo. Je ne me souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai dit, Saint-Esprit, Jules, où es-tu? Ta femme te cherche. Ta femme te cherche. Il n'y a aucun endroit où Jules peut être que le Saint-Esprit ne voit pas. À l'instant même, le téléphone a sonné. Son mari a commencé à pleurer en disant, maman Sinanga, où est Dieu? Où est-ce Libisanga, Libisanga. On a dit à la femme, kata prière, bima la prière, va chez ton mari, va chez ton mari. Il existe. Jésus a dit, a dû partir. Le seul être, attention avec ce que tu vas entendre, le seul être de la divinité qui fonctionne tout seul, c'est le Saint-Esprit. Cherchez-le. Jésus est mort pour les païens afin qu'ils deviennent chrétiens. Le Saint-Esprit est venu pour les chrétiens afin de faire d'eux des disciples. Recherchez-le. Recherchez-le. Madame, je vous raconte une histoire. Mon premier disciple, c'est ma femme. Alors, quand je l'enseignais sur le Saint-Esprit, elle trouvait que, ah, toi, tu exagères. J'ai dit, attends. Rocola. Elle a commencé à grandir avec ça. Un jour, on a perdu le numéro de notre carte, le code. Hein, le code là, les quatre chiffres là, c'était perdu. Comment on allait faire? Écoutez ce qu'elle dit. Saint-Esprit. La Bible dit, il viendra, il sera en vous, sur vous, il vivra avec vous éternellement. Alléluia. Le Saint-Esprit lui dit, le code de la carte c'est tin, 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 tin. Elle m'appelle, chérie, tu es où? Chérie, je suis en ville. Va là, va là, distributeur, je vais. Introduis la carte, chérie, j'ai introduit. Le code c'est l'argent est sorti. Holy Ghost. Cher Saint-Esprit, wow. Bon Dieu, non, cher Saint-Esprit, hey, Rasanta, lorsque vous l'introduisez, les autres points, on va le faire demain, hein? On va s'arrêter là. Lorsque vous l'introduisez et que vous arrivez à discerner sa présence, discerner son atmosphère, c'est, vous verrez que tout votre comportement sera en fonction de sa présence. Écoute ça, dis avec moi, raconte pasteur. Sois détendu, dis raconte pasteur. Écoute ça, je suis ici depuis quelques jours. Pendant que je dors, le matin le Saint-Esprit me dit, Marianne est en train de faire des achats, il faut lui dire de ne pas acheter telle chose parce que bientôt, quand vous allez déménager, il ne faut pas qu'elle achète ça. Alors je lance l'appel. Tiens, appel vidéo. Quand je lance l'appel, je dis, chérie, le Saint-Esprit me dit, fais attention avec ce que j'achète là. Parce que, comme on va éviter de manger, il ne faut pas acheter. Elle fait, qui t'a dit ça? Moi, je dis, le Saint-Esprit. Elle fait ça. Elle montre les enfants à côté. Ils étaient au magasin, en train d'acheter la chose en question. Oh, le Saint-Esprit. Mais juste parce que la chambre avait changé d'atmosphère. Le climat était devenu différent. Les yeux se sont ouverts. Ça n'attend pas un culte. Ces choses-là ne sont pas là pour les pasteurs. C'est pour la vie de tous les jours. C'est pour la vie de tous les jours.
C'est pour qu'une femme dise à son mari, chérie, tu es où mon bébé? Tu sais, le bureau là où tu vas, là, fais attention avec Jérôme, il sera habillé en vêtements bleus avec le pantalon blanc. Il est très dangereux ce monsieur-là. Si la réalité du Saint-Esprit est la chose que tu viens vivre à l'église, c'est pas ça dont je te parle. C'est cette atmosphère que tu dois discerner et qui change ton comportement. Tu sors, tu as l'habitude de prendre la droite. Il dit, prenez la gauche. Tu prends la gauche. Mais là où il t'emmène, mon ami, tu dis, non, Saint-Esprit, tu es le plus merveilleux, permettez-moi le superlatif, le plus excellent ami intime que Dieu m'a donné. Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut cette relation-là? Qui veut cette profondeur? Qui veut aller dedans et se perdre dedans? Qui veut arriver au point où, à des kilomètres du mouvement du ciel, il sait que l'Esprit vient vers moi? Qui veut cette relation où il entre dans la maison de Dieu, il en ressort, il rentre, il sait reconnaître le chemin qui emmène à la conversation? Qui veut cette relation de prendre la chaise, de la mettre quelque part, s'asseoir et de commencer à parler? Qui veut avoir cette capacité de s'asseoir dans sa cuisine et de commencer à parler avec le Saint-Esprit du nouveau repas? Qui veut cette profonde? Qui veut cette huile différente? Qui veut cette chose-là qui fait que... Je veux la relation, je veux la profondeur, je veux la réalité de l'Esprit. Saint-Esprit, viens à Bounia, viens dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de ces jeunes filles. Cher Saint-Esprit, apprends-moi à reconnaître ton atmosphère. Apprends-moi à reconnaître ton atmosphère. Je veux ça. Je veux ça. À toutes les personnes qui
ont commencé leur vie chrétienne et qui désirent ça abondamment. Il a une atmosphère. Il a une atmosphère. Et quand il s'approche, on le réalise. On le réalise. On le réalise. Si tu ne le connais pas à ce niveau-là, tes amis au travail vont continuer à détruire ton travail. Tes amis portent une atmosphère satanique et ils détruisent tout ce que tu fais. Lorsqu'on cite ton nom au travail, ils détruisent ce que tu fais. Cherche-toi aussi à avoir le Saint-Esprit afin que son atmosphère se dégage autour de toi et que ça paralyse les œuvres des ténèbres, les œuvres de tes ennemis. S'il te plaît, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. J'allais en montagne, j'allais dans des forêts, et je ne demandais qu'une seule chose. Saint-Esprit, viens, viens, emprisonne-moi dans ta volonté. Cherche ça. Cherche ça. Cherche ça. C'est le moment.
c'est le moment. La gloire de l'Éternel Dieu va embraser ta vie. Même si tu ne crois pas en ça, c'est pas grave. Il est Dieu, il se défend lui-même. Je veux lui demander que le Seigneur Jésus vous donne à vous tous qui n'avez jamais parlé en langue le baptême du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais reçu le baptême, jamais parlé en d'autres langues, opère ce miracle, Seigneur Jésus, ce soir. Sur vous tous, sur les uns le baptême, sur les autres la plénitude, sur les autres le feu, soyez revêtus pour une autre dimension, 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 pour une autre dimension. Montez, montez, plus loin, plus loin, montez, plus loin, plus loin. Vous pouvez le vivre, vous pouvez le vivre. Il existe, il existe. Vraiment.
Est-ce que tu peux monter en prière, célèbre le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit ce soir? Oh! Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire! Chalebo, Chadabade, Chakabaya. Des cultes comme ça, ne soyez pas pressés de partir. Maximisez. Gloire à Dieu. Ceux qui sont dans les temples, levez les mains. Nous sommes en train d'accéder à une autre saison, à une autre période. Les périodes passées sont passées. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Si tu es malade, tu seras guéri maintenant. Maintenant même. Tiens là où tu as mal, sous l'atmosphère du Père en ces lieux. Je vais prier pour nous, sous l'atmosphère qui a été déclenchée. Si tu as un problème de santé, tiens là où tu as mal. Au nom de Jésus, Père, guéris la personne qui est devant moi. Au nom de Jésus, que les cœurs soient guéris, que les yeux soient guéris. Que les dos soient guéris. Que la gastrite soit guérie. Que des maladies compliquées soient guéries. Au nom de Jésus, tu as un problème de vision. Reçois les yeux au nom de Jésus. Tu as un problème des oreilles. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Zoukeri balo shakada baragates. Liperikasuta labaya. Père, la guérison totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Donnez-nous une minute, vous partez déjà. On avait déjà tout fini. Vous allez partir. Alors, il y a des gens qui n'ont pas béni la parole lorsqu'ils sont entrés. Vraiment, un enseignement comme ça, ne partez toujours pas sans avoir béni la parole. Et même si tu n'avais pas encore donné les offrandes, viens seulement donner ici. Tu vas donner après quoi? On va directement partir à la maison. Faisons vite, gagnons le temps, nous allons partir. Demain, nous sommes là, invités beaucoup de gens. Il y a des tracts, il y a des invitations de l'autre côté. On va clôturer le dimanche soir. Ça sera l'explosion. Il y aura de plus en plus de gloire. Amenez les malades, des cas compliqués, des choses que vous sentez.